Messieurs, Eden vous tourne le dos, suite à son rugissement, à faire trembler les créatures prédatrices en face de vous. Vous, comment est-ce que vous réagissez? Faites-moi un tour de table, à commencer par ceux qui sont devant. Cranleck, Théo, qu'est-ce que vous faites? Le premier réflexe que j'ai, c'est je pose la main sur Eden pour lui faire savoir que je suis là et je reste à côté d'elle, prêt à combattre si jamais les pangolins ne s'enfuient pas. Des pangolins. C'est mignon, pangolin. Moi, j'ai pas envie de me battre contre eux. Les pangornithorynques, je rappelle. J'ai tellement pas envie de rebondir là-dessus. Ouais, ouais. Donc, Théo. Je gueule, ah, c'est quoi cette bestiole? Tu es là, tu es là. C'est ça, c'est ça. On se fait attaquer par des loups. Ça ne finira donc jamais. Bien, donc Théo, à part râler sur Eden, que fais-tu? Ah, rien du tout, c'est un loup de druide, voilà quoi. D'accord, très bien. Tu restes en posture défensive donc. Ouais. Est-ce que vous avez toujours, excuse-moi, les ragondins attachés à vos avant-bras? Ils sont morts. Ben, bah, vu qu'ils sont morts, ils ont relâché la pression. Avec ah oui, ok, d'accord. Eh bien non, justement, les Tic et Tac, les deux ragondins, n'ont pas décroché les mâchoires. Un peu comme à l'image de, vous savez, des pitbulls ou de créatures qui bloquent la mâchoire au moment où ils meurent. Et ils ont du mordant. Bravo. Sylvain, rajoute un effet de batterie, s'il te plaît. Pardon. Je suis désolé. Même moi, j'ai senti que... C'était le flow. Il y a eu un freeze frame, tu vois. La caméra de dragon, t'as dit, allez. C'est ça. Tu mets le générique, tu sais, de fin, ça y est, c'est fini. Non, du coup, j'utilise mon bras mécanique pour arracher... Mais j'avais pas tiré sur la bestiole justement qui s'en prenait à Grenek. Oui, ça n'a pas suffi. Le truc c'est qu'ils sont encore bloqués, ils sont morts, mais ils ont Keblo. C'est comme un mort qui serre la main et que tu peux pas lui desserrer, t'es obligé de lui péter les doigts pour. Ouais. On tenace. Déjà, du coup, si je comprends bien, Théo, t'essaies de t'arracher de l'emprise du cadavre de la créature qui est face à toi. Pareil pour Grenek. Pendant ce temps-là, donc Shin et Bob, que faites-vous? Shin, dis-moi. Ben, moi j'essaie de tourner la tête à 360 degrés, voir s'il n'y a pas d'autres dangers, enfin si les autres créatures sont en déroute ou si elles continuent à attaquer en fait, pour pouvoir alors, descendre. Les créatures sont en déroute suite à l'arrivée d'Eden. D'accord. Et sinon, tu peux essayer de les flécher pendant qu'elles fuient, au risque qu'elles se retournent agressives, plus agressives que jamais, pour revenir à la charge. On va rester sur le cri d'Eden, on va rester sur le côté « on vous fait peur voilà. ». J'en profite pour amorcer ma descente, descente de l'arbre. Fais gaffe, hein, t'as plus qu'un PV. Hein. Oui, c'est pour ça. On a un groupe d'aventuriers très menaçants. Ça serait très triste. Ça serait très triste. Ah oui, tu descends, pas. Tu fais le saut à l'Assassin's Creed, tu sais, dans la charrette, à côté, tu te vautres, tu sais. Ah oui. Mais tu sais, genre de 2 mètres de haut, le truc trop ridicule, tu te pètes la nuque comme ça. J'ai pas le temps de faire le cri de leg. Les spectateurs, t'as juste la caméra qui devient grise comme ça. Wasted. Bon, pardon. Que fais-tu? Moi, de mon côté, j'ai toujours la deuxième bouteille d'alcool à la main. Je rappelle que je m'apprêtais à passer à Arcana, mais je voulais la lancer moi-même. Mais j'en cherche d'autres du regard pour savoir s'il y en a d'autres qui nous agressent. Voilà. Genre dans cette zone à la con, tu vois. Genre, genre ce ragondin, il est mort, mais celui-là, il se barre, on est d'accord? Oui. Non, mais les chauffe pas, comment j'ai pas tiré sur eux, enfin laisse-les partir. Dans ce cas-là, ça nous fera gagner de l'avance. Dans ce cas-là, je vais, si je peux, courir vers Bragg et les civils pour voir comment ils vont et commencer à aller ramenez-vous, on se casse. D'accord, je vous laisse Shin et Bob déplacer vos personnages. Donc toi tu descends vers là, Bob, et toi Shin tu descends par là, si j'ai bien compris. Par contre, c'est pas juste parce que toi t'as appelé Eden, il est venu, mais moi Lumière, il n'a rien à branler quoi, c'est Eh bien, Lumière, justement, Lumière, qu'en est-il de Lumière? Lumière a suivi vraisemblablement Eden. Il arrive en glissant dans la rivière. Quand on est en droit que nous, t'es sur un truc, en glace. Que... Le cheval sur le dos qui se laisse porter par le courant. Eden est ici. Et Eden
Non, Eden, je dis n'importe quoi, c'est pas Eden, c'est Lumière. Lumière est ici, et Lumière a suivi Eden sur sa lancée, et profite du fait d'avoir séparé la meute en deux pour traverser donc ce chemin libéré. On a des super compagnons quand même, hein. Ils nous retrouvent n'importe où, comme ça, suffit de les appeler. Ah bah, ouais, c'est classe. C'est des animaux. Voilà, c'est des animaux. C'est génial. C'est des Pokémon à ce niveau-là. C'est bravo, Lassie. Quoi, qu'est-ce que tu racontes? Il faudrait qu'est-ce que tu racontes? Il y a d'autres loups qui arrivent et nous devons partir. Il faudrait qu'Eden fasse le même bruit que le dauphin, tu sais. Comme ça, tu sais, quand il arrive. Faites-moi un test, par contre, Théo et Grunleg, pour vous désentraver de l'emprise des mâchoires des cadavres qui sont face à vous. Donc faites-moi un test de physique, s'il vous plaît. Donc d'abord Théo, puis après Grunleg. Vous me dites comment est-ce que vous essayez de vous désentraver. Vous faites ça comment? Bah, je prends mon bras et puis je tire dessus. Wow. T'aurais pu faire ça avec une arme, t'aurais pu faire ça avec... Avec tes dents. Ouais, mais voilà, il peut pas... Si je fais ça avec l'épée, ça fait un peu genre... Voilà. Oh, il peut pas faire ça avec l'épée pied de biche, c'est pas Morgan Freeman, faut pas déconner. Non, on vire-le et puis c'est marre. Ouais, voilà. Ouais. 77, c'est complètement raté. Oh merde. Très bien. Mais écoute, c'est pas grave, je vais le traiter. Tu vas vivre le reste de l'aventure avec un chien sur le bras. Attends, au moins, on est sûr qu'il perdra jamais son bouclier. Tu vois, ce sera un ragondin plus de la défense. Grunleg. Ok, bah moi je vais essayer de mettre. Juste une précision. Le test de physique, c'est pas pour déterminer si vous réussissez ou pas à vous désengager, mais plus le temps que vous allez mettre pour vous dégager. Parce que là, a priori, il n'y a pas de horde face à vous. Vous êtes safe ou presque. Donc vous pouvez prendre le temps de vous dégager, sachant que ce qui pourrait vraiment compliquer la chose, c'est un échec critique. D'accord, bah je le garde et je me fais une écharpe avec comme ça autour. L'écharpe en cachemire de ragondin, tu sais. Oh. Voilà, donc j'essaye de glisser ma main mécanique de mon bras mécanique à l'intérieur de la gueule, puis de m'en servir comme levier, comme logiquement je peux pas trop me faire mal avec cette main-là. Voyons voir. 25, c'est réussi. 25, bon, donc c'est vrai. Il y a il faut que je fasse attention à mon bras. De torsion, il y a un bruit métallique, les crocs raillent légèrement ton bras. Et crac, l'os de la mâchoire. Voilà. La créature en face de toi. Si j'arrive, est-ce que je peux aider Fred du coup? Comment? Est-ce que je peux aider Théo, pardon? Je peux les aider aussi. Tu peux m'enlever ça? Qui grogne un peu encore. Grunleg, les dents sont... Enfin, pardon, pas Grunleg. Shin, les dents sont pointues, t'en approches pas. Si jamais tu foires, tu vas te piquer dessus. Je te rappelle que Lucida, c'est tout. On te rappelle que t'as un PV, alors reste au milieu d'une zone où il n'y a rien. C'est ça. Là, tu vois... Mets-toi là, là. Tu Mister vois, Magou, j'arrête pas d'avancer vers les dangers, t'es comme un bébé. T'es... Oh, oh, oh. Avec Eden non, qui pas te... le feu, pas le feu. Avec Eden qui te sauve à chaque fois. Gros débile, mon toutou. Très bien. Donc, Théo, tu es aidé de Grunleg, qui finit par te dégager de ta nouvelle fourrure. Non. Très bien. De votre côté, Bob, tu rassures les deux femmes. Plus que les rassurer, c'est je me ramène vers eux en disant « Bragg, on les a mis en déroute. La victoire est à nous, mais ça va pas durer. Il faut absolument sceller le cheval. Mesdemoiselles, venez avec nous, vous serez plus en sécurité. » Vous avez raison, nous ne devons pas rester ici. Nous devons vite quitter les lieux. Parfait. Est-ce que du coup, Bragg peut prendre la bride du cheval et l'amener pour le sceller à cette saloperie, de manière à ce qu'on se barre? On faudrait mettre les civils dans la charrette, et nous on s'occupe du reste. Ouais, nous on se casse, mais voilà quoi. De toute façon, on rappelle que Bragg, il est au bord de la mort, en permanence. Oui. Non, non, il est à ce moment-là, tu l'as sauvé. Il est assez fort pour prendre en défense une femme avec l'épée, quoi. Je lui ai permis de garder en prenant de la vie à Arcana, j'ai permis de sauver. Il est pas sauvé là, je crois, non. Il va juste souffrir un peu plus longtemps. Quoi. Attends, tu nous en parles. Attends, tu nous en parleras en détail plus tard. Est-ce que tu peux éteindre le feu et qu'on se barre, qu'on aille camper ailleurs? T'es sûr? Tu veux que je touche le feu? Y a pas de problème. Non, mais pisse dessus, fais quelque chose. J'en sais rien. Non, non, non. Je peux générer de la flotte et l'éteindre. Par contre, Théo, il faudra qu'on parle de 2-3 choses quand on sera à l'abri. Dans un camp. Plus tard, on se casse. Elle avait dit qu'elle avait 18 ans. Avant que tu la tues. Vous réunissez les pactages, vous vous assurez de l'état, de l'intégrité physique, autant que faire se peut des uns et des autres, et vous videz les lieux
en direction de quelques distances de là afin de dresser un campement dans un endroit qui pourrait être relativement safe, qui pourrait être relativement calme pour pouvoir vous poser parce que vous n'avez pas pu le faire depuis quelque temps déjà. Donc, vous arrivez quelques heures plus tard vers l'aube alors que le soleil commence à se lever, le ciel se zèbre de pourpre et vous êtes à ce campement avec des yeux cernés mais avec un sentiment légèrement différent. La venue d'Eden, le fait d'être secouru de cette manière, d'avoir réussi à repousser ces buveurs de chair, le fait de vous être réorganisé, certes vous êtes parti en retraite mais vous avez le moral qui se redresse. Je vous offre à tous un avantage, messieurs. Ah. Fêtez le premier combat de la saison 2 qu'on réussit à gagner. Ouais. Et objection, oui, on n'est enfin pas parti en retraite. On les a mis en retraite. Après, voilà. On n'a pas gagné. Eden venait pas, on mourait. Hein. C'est un chaos technique, dire, j'entends, effectivement. Voilà. J'entends, mais c'est toi qui insistes depuis le début de l'aventure pour dire qu'Eden est dans notre équipe. Alors, je suis désolé, mais l'assiste, ça compte. Non mais sans déconner, c'est le premier combat en 15 épisodes de saison 2 qu'on gagne. C'est ça. Et j'ai une question, est-ce que le ragondin qui était attaché au bras de Théo, on l'a mangé en fait? Oui, il est toujours sur le bras. Non, on a réussi. Il le fait doucement tourner autour du feu. Oui, bien sûr, si c'est quelque chose qu'on peut cuisiner... Ah bah ça ne bougez pas, hein. Jennifer. Bah, si tu veux cuisiner, c'est tu vas faire un test, Grand Lake. En attendant, mettez tous... C'est bon, vous avez mis un avantage chacun. Ouais. Alors, au niveau du tour de table, vous allez me décrire... vous allez me faire une description très sommaire, vraiment, de quelques mots, sur votre personnage, maintenant que vous êtes posé à l'aube, autour du feu. Je vais commencer par les PNJ, et vous allez me décrire vous. Donc, de leur côté, donc, Arcana, elle a toujours le visage fermé et le regard posé sur Bragg, toujours inquiète et relativement attentive par rapport à son évolution au niveau de la santé, surtout suite à l'intervention de Théo. Bragg, de son côté, lui, il a un regard en biais, un peu comme s'il attendait une conversation très importante au sujet de la suite des événements, et c'est ce qui va se produire vraisemblablement. De son côté, Victor, qui est un PJ-PNJ, lui, a un regard profond posé sur toi, Théo. Il a les deux mains fermement posées sur son bâton et il est comme une statue braquée sur toi. Ouais. Et les deux femmes, elles regardent tout ça limite avec du popcorn en train de dire « Qu'est-ce qui se passe ?» Et puis elles ont fait un voyage pour aller voir leur nièce ou je sais plus quoi, elles sont tombées sur des trucs de foot, c'est en mode « Oh !» Donc, tour de table, de votre côté, dites-moi quel est votre, en quelques mots à peine, hein, quel est votre état d'esprit, ce qui se voit, du moins. Bon. moi, je souris un peu pour mettre la bonne humeur ou autre, mais en vérité, je suis inquiet. Inquiet pour deux raisons. Primo, il y a deux, trois conversations qui vont devoir se... Pardon, je me suis trompé, mais il y a deux, trois conversations qui vont devoir se faire avec Théo. Parce que c'est vrai que, autant moi ça m'inquiète pas, parce que je sais que c'est Théo et que c'est notre Théo et que je peux lui faire confiance et qu'il n'y a pas de souci là-dessus. C'est-à-dire, si je peux pas faire confiance à un inquisiteur pour pas me mettre sur le bûcher, enfin, il aurait pu me tuer quand il voulait, donc là pour le coup, je ne doute pas. Donc, une description sommaire de quelques mots, donc tu parais inquiet. Très bien. Inquiet surtout, pardon, excuse-moi, parce que en fait, autant Victor le regarde, mais Victor sait pas encore que je suis un demi-démon. Il n'a jamais été au milieu courant de ça. Donc s'il en veut tellement à Théo pour ça, oui, moi je m'inquiète pour mon cul en fait. Ce qui se voit, hein. Bob, ce qui se voit. Donc en l'occurrence, on ne sait pas pourquoi est-ce que tu parais inquiet. Ouais. Grand Lake, donc, on va faire le tour. On a l'impression qu'il y a quelque chose de lourd sur mes épaules. Là, je suis en train de réfléchir énormément et on voit que ça m'affecte. Qu'il va y avoir des conversations qui vont être obligatoires et surtout une remise en question de la situation. Très bien. Théo. Ben moi, vu que tout le monde me regarde, je sais pas. Je regarde Chine. Je regarde Chine parce que c'est le seul qui va pas me faire chier, en fait. Ah ben, détrompe-toi. Détrompe-toi. Tu regardes la jeune femme, tu t'en as pas tué depuis longtemps, en fait. Tu sens le manque. C'est ça. En train de te lécher les lèvres. Comme ça. En train de caresser ton bouclier. Jennifer. En train de lustrer le bouclier. Alors, Théo.
Bah, qu'est-ce que... Je baisse les yeux. Voilà, je regarde le sol. Très bien. Vas-y, baisse les yeux. Chine. Moi, je suis un peu reculé. Je suis un peu enfermé dans mon mutisme. Je parle à personne. Je regarde un peu le sol. Parce que je repense à toutes les défaites aussi qu'on a essuyées quand même. On a beaucoup reçu, surtout moi. Et j'arrête pas d'épier du coin de l'œil Théo parce que je me dis, est-ce que c'est vraiment notre pote qu'on a retrouvé? Oui, bah, tout le monde le regarde, chier, tout, Théo, tout, quoi. Tous les yeux braqués sur lui. Mais enfin, je me demande, est-ce que c'est vraiment lui? Mais en même temps, voilà, si c'est lui, c'est pas le même. Hein. Enfin, je veux dire, il est différent, c'est sûr, dans sa façon de faire. Et pourquoi il a été aussi insistant sur le fait de qu'on se retourne avec Renly quand il a utilisé cette espèce de nouveau pouvoir? Enfin, j'aimerais savoir ce que c'est, quoi. Mais j'ai pas envie d'en parler devant trop d'étrangers. Qui prend la parole? Je peux avoir du ragondin. Très bien. Je demande du plaisir, plaisir, Bob. C'est ce qui brise le silence. Bon, là, tu veux faire un peu de cuisine? Très bien. Est-ce que t'as foiré ton ragondin? C'est dégueulasse. On meurt tous empoisonnés. Attends. Je le fais en quoi, le test de cuisine? Ouais, c'est ça, un test de cuisine sur quelle base? Parce qu'il cuisine depuis le début, donc il a un bon score. Oui, hein. Je cuisine c'est mental, bien. Quelque part. Mais on sait jamais, peut-être si le ragoût est délicieux, ça peut nous donner un sujet de conversation. Allez. Fais-moi un test de mental, allez. Conversation mental, de merde. Plus focus. Ils sont bonnes, les patates. Sont bonnes, c'est pas. Mais ça veut dire, ouais, j'ai quand même une chance sur quatre de rater mon plat, quoi. Je suis un petit peu pas d'accord, mais bon. Comme n'importe quel mortel. 6! Non, voilà. Bon. C'est pas une réussite critique. Ah là, c'est Gaspard Savoureux, bon là. Quand même. Oh, il est quand même super c'est bon. C'est le meilleur ragoût d'œuf que j'ai jamais mangé de ma vie, c'est clair. C'est mignon comme nom, un ragoût de ragondin. Tu l'as aussi bien réussi qu'on aurait pu le réussir, en fait. Mais vu que c'est un ragondin sauvage qui a le sida et toutes les maladies possibles, imagine. Pendant que vous dînez, Bragg, du coup, brise le silence autrement qu'en parlant de banalité. Et vos regards, en lâchant un laconique. Et maintenant, vous comptez contrer la guilde des intendants de quelle manière? Avec du ragoût. Je vais renchérir. Il nous faut des renseignements. Il faut que vous nous disiez exactement à quoi s'attendre, à quoi ressemble l'endroit où sont détenus les parchemins. Comment est-ce qu'on peut s'infiltrer dans la guilde des intendants? Est-ce que c'est lourdement gardé? Est-ce que c'est dans la ville, à l'extérieur? Toutes les informations nécessaires qui nous permettraient de rentrer là-dedans. Avant tout ça, je vais les interrompre. Il y a quand même quelque chose, une question à laquelle il va falloir répondre, parce que je ne vois pas en quoi on peut vous faire confiance et qu'est-ce qui nous prouve que la guilde des intendants a les intentions que vous leur donnez. On a juste votre parole, on a juste la parole de quelqu'un qui nous a trahis par le passé. Donc oui, vous avez libéré Théo, mais à moins que la guilde des intendants soit venue dans la prison de Théo en leur disant « Voilà mon plan démoniaque, ce qui va se passer, je te le dis car tu es condamné. » C'est parce que dans les films... Voilà, je ne vois pas comment Théo pourrait connaître le plan de la guilde des intendants autrement que par les dires de Bragg. Donc ça se trouve, Bragg nous manipule, ça se trouve, je le dis même clairement, vous pouvez nous manipuler, et c'est peut-être vous qui avez des intentions que vous ne communiquez pas. Donc je vois pas pourquoi on devrait risquer nos vies pour quelque chose qui, ça se trouve, n'est pas vrai. Alors, je suis d'accord avec Grunleg, je tiens à le dire, je suis d'accord avec toi. Cependant, je tiens à préciser qu'ils nous ont quand même pris pour cible. Peut-être parce qu'on était en présence de Bragg et qu'ils ont assumé qu'on était des cibles potentielles. Mais ça, on peut avoir aussi été des cibles indépendantes, parce que c'est vrai qu'on est un groupe assez particulier, pour dire le moins. Donc, quoi qu'il arrive, ce sont nos ennemis, du moins, ils se déclarent en tant que nos ennemis. Mais je suis d'accord pour la question, c'est vrai que ça m'intéresse de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que vous devriez me faire confiance? C'est pas tant la question de savoir si vous devriez me faire confiance. Non, c'est plus savoir dans quelle mesure ce codex, entre les mains de personnes mal intentionnées, peut être dangereux. On a vu le danger que représentait ceci en faisant revenir Théo. Théo est revenu, mais de plus grandes choses peuvent être accomplies avec ces codex. Oui, d'ailleurs. Tout ce que vous êtes en train de me dire, c'est que dans le doute, il vaut mieux que le codex, on l'ait pour nous. Tout de suite, c'est quand même une vision des choses un peu plus égoïste, un peu plus centrée sur, oui, le pouvoir serait meilleur entre nos mains. Peut-être, Grunleck, mais il marque entre un point. Mes mains, je vais probablement mourir dans les jours qui viennent. Théo n'a fait que repousser l'inévitable. Qu'est-ce que j'ai à faire d'un objet
que je ne pourrai pas emporter dans l'au-delà. Encore une fois, c'est juste des dires. Qu'est-ce que j'en sais que vous allez mourir dans quelques jours? Tout est basé sur ce que vous nous dites depuis le début. De la plus, seule chose, la seule... Demande à Théo, c'est lui qui m'a soigné, c'est lui qui connaît mon état. Attends, de plus, tant bien même ce serait vrai... Effectivement, il va bientôt mourir. Non. Tant bien même ce serait vrai et vous mourriez dans quelques jours, le codex pourrait vous sauver, tout comme il a ramené Théo. Peut-être que c'est pour ça que vous voulez son pouvoir aussi. J'ai envie de croire que vous seriez mieux que moi quoi faire de ce codex. Vous êtes des aventuriers. Vous étiez là pour contrer le chevalier Vlad. Et vous l'avez fait au péril de votre vie. Je pense que vous êtes les personnes qu'il faut pour... Et vous êtes partis avec les parchemins. Et c'est différent. Le chevalier Vlad était une menace directe. Les araignées partout, la corruption, les gens qui mouraient, voilà. Les villages, les œufs et tout ce bordel. Nous-mêmes, on se faisait attaquer. Mais là, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que les politiques actuelles de la guilde possèdent une arme très puissante. Mais est-ce qu'ils ont l'intention de s'en servir? C'est ça, la guilde des intendants a très clairement la volonté d'évincer l'assise des églises grâce au codex. Oh. Les églises aujourd'hui arrivent à s'imposer dans le monde, dans les royaumes, grâce à leur pouvoir, grâce à leur foi, comme le fait l'inquisiteur. Si demain la guilde des intendants arrivait à étendre leur pouvoir, leur psyché grâce au codex pourrait valider leur assise contre les églises et invalider la présence des églises. Et on partirait tout droit vers une guerre civile qui ravagerait tout le continent, en fait. Oui. Tel que je vois le truc, en fait, c'est que les codex permettraient à une église en particulier d'augmenter considérablement son pouvoir, en fait, parce qu'elle pourrait directement aller puiser la magie à l'intérieur de l'éther, en fait. C'est ce qu'il a utilisé pour te ramener ? Quel type d'église ? Ouais. La question à savoir si elle doit revenir à une église en particulier, je n'ai pas cette réponse. Je pense que la guilde des intendants, ils veulent l'utiliser pour eux, pas pour une église. Absolument. Et effectivement. Mais... Non, mais attends une seconde. Si des églises on vend de l'existence de ces codex. Non, mais une seconde, chers amis. Je crois que vous aimeriez mettre la main dessus. Vous sentez la gravité de la situation, mais vous ne l'envisagez pas, en fait. À partir du moment où on a un artefact magique qui est assez puissant pour puiser directement dans la magie de l'autre monde et qui est capable de ramener les morts, on est à un pas d'un asservissement national, si tu vois ce que je veux dire. Que pensez-vous de ce que la guilde des intendants... Que pensez-vous qu'ils veuillent ramener de l'autre monde ? Et on a essayé ça sur Théo, car Théo était le plus à même et le lien avec Théo était évident. Mais des choses encore pires peuvent être amenées de l'éther. Comme ce qu'on avait affronté en qui sortait du puits. Comment il s'appelait le frère déjà ? J'ai oublié son nom. Il n'a jamais donné son nom. Il est mort. Mal poli en plus. Il est mort, ça lui apprendra, tiens. C'est ça. Est-ce que l'un de nous, ça c'est hors jeu, est-ce que l'un de nous est au courant de cette réputation de guilde des intendants ou autre, comme quoi ils n'aiment pas l'église ou quelque chose? Parce qu'encore une nouvelle fois, là c'est juste les dires de Bragg. Hein. Peut-être qu'ils ont testé le codex et qu'ils ont ramené Théo et qu'ils se sont dit « Oula, c'est peut-être dangereux, on va le garder en observation ou autre. » Et on en a absolument aucune idée. Ils ont peut-être envoyé des gens contre nous en disant « Bragg est la menace » et nous, ils nous ont pris pour des gens qui défendaient la menace. On n'en a aucune idée. Donc il faut qu'on ait quelque chose. La lune invisible, le plan d'étude des codex, à la base, donc dans la saison 1, ce plan-là a été mis en place par la guilde des intendants, à l'origine de tout. C'est la guilde des intendants qui est à l'origine de cette étude des codex et du lien avec l'éther. Et lorsqu'il a validé les possibilités du codex, ce qui s'est passé, c'est que le chevalier Vlad a récupéré donc les codex pour en faire ce qu'il a essayé d'en faire dans la saison 1, et il s'est passé ce qui s'est passé. Et du coup, la guilde des intendants veut récupérer ses codex à ses propres fins. De leur côté, les églises se positionnent parce qu'elles se sentent agressées. L'église de l'air a perdu un paladin dans la bataille. L'église des ténèbres a fait en sorte
de prendre contact avec Bragg via Arcana, et l'Église de la Lumière a envoyé Victor et essaye de faire en sorte à se dédouaner de certains actes l'église de l'inquisiteur. L'Église de la Lumière ont perdu un paladin, mais ils l'ont retrouvé, ça va mieux. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, c'est que tout est basé sur les dires de Bragg. Par contre, si on a ces informations, on sait qu'il y a un véritable conflit à la base avec la Guilde des Intendants. Moi, je m'en remettrai à la décision du groupe, et s'il faut faire confiance à Bragg, ça me plaît pas, mais si ça semble être la décision la plus logique, je suivrai les autres. Si je puis me permettre, trois choses, rapidement. La première, c'est que quelle que soit la décision qu'on prenne, qu'on aille plus loin dans cette investigation pour découvrir la vérité ou qu'on se décide à monter une auberge, il va falloir qu'on se repose et qu'on regagne des forces. Deuxième chose, il nous faudra des informations vis-à-vis de la ville par rapport à des gens qui y sont déjà allés ou qui en viennent ou qui se dirigeaient, des rumeurs, n'importe quoi, ne serait-ce que pour voir s'ils n'ont pas déjà commencé à faire n'importe quoi avec les parchemins. Et dernière chose, j'aimerais savoir ce qu'en pense Chine. Parce qu'il dit rien là-bas, hein. Il mange sa pomme en forme de ragondin, mais... Moi, ce que j'en pense, c'est que moi, je porte pas beaucoup dans mon cœur les églises. Donc, des églises qui sont en possession d'un codex hyper puissant, d'un artefact magique, voilà, qui est capable d'une source de pouvoir illimitée. Je suis très contre. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on y va, on le récupère, ce codex à la con. Et on le prend pour nous. On le détruit. Parce que nous sommes des aventuriers, nous sommes là pour rendre service à la population et pas utiliser d'objets magiques. Qu'on pourrait faire avec. Non, je suis désolé. Moi, j'ai pas signé pour ça. On regarde, on sait jamais. Il y a des trucs utiles. Je suis d'accord avec Grunleck. On le récupère, on voit ce qu'on peut éventuellement en faire, si on peut lancer une dernière truc positif pour tout le monde. Mais si jamais c'est pas le cas, on le détruit. Je suis d'accord. Déjà, il faut qu'on le récupère. Je suis d'accord. Voilà. Dans tous les cas, ça commence par le récupérer. Véritable problème, messieurs, c'est que vous êtes à bout de force. Il vous faut non seulement mettre en place un plan de bataille, mais aussi récupérer vos forces. Donc, essayez de savoir où est-ce que vous allez, quelle direction prendre, par quel flanc attaquer la Guilde des Intendants, si vous décidez de les attaquer, et surtout, vous renseigner au mieux possible pour ne pas venir et improviser un plan. Ceci va dépendre de vous. Victor, les yeux hameçonnés dans le regard de Théo, lâche un laconique. C'est bien beau de parler de la confiance envers Bragg. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu de la confiance envers mon cher Théo. Dis-moi, Théo. Fiston. C'est tellement menaçant. C'est clair. C'était quoi, ça? Bah écoute, dans ce cas-là, je vais me lever et je vais le montrer. Le meilleur moyen, c'est de le montrer à tout le monde, ce qui va se passer, et puis voilà. Ok, il met son avant-bras le long de son bâton. Donc écoute, je me lève et puis j'utilise mon pouvoir pour montrer à Damoclès à quoi ça ressemble, en fait. D'accord, donc je te laisse l'écrire. Du coup, ça fait... Vous voyez... C'est ton boulot, normalement. Mais ça serait bien que tu bosses un peu aussi. Donc, du coup, vous voyez, bon, même s'il fait nuit, la lumière qui s'étouffe doucement autour de moi, comme si, en fait, toute la zone qui était autour de moi devenait subitement plus sombre. Et alors, je sais pas s'il y a des fleurs ou des végétaux ou de l'herbe au sol, mais s'il y en a, elle fane, la végétation disparaît. Et une espèce d'ombre qui fait deux fois ma taille apparaît derrière moi à peu près. C'est bon, j'ai bon ? Non, ouais, c'est parfait. Putain, mais t'as un stand en fait. Je t'ajouterais presque un deuxième avantage si c'était possible. Ça doit nous rassurer ou... Ça doit nous rassurer ou nous donner envie de tuer Théo ? C'est quoi le but ? C'est une excellente question. Même le ragondin a pourri, tu sais. Est-ce qu'on applaudit pour les subjugués ? Ah non, il était super bon. Ah ouais, mais il a corrompu tout ce qu'il y avait autour. Ah, c'est devenu vinaigré maintenant, tu sais, tu le verses quoi. Victor, je vais enchaîner derrière et je vais dire j'ai ça depuis que je suis sorti du puits. Donc c'est la faute. Ça m'a jamais fait ça moi les puits. je vais me retourner vers Bob et je vais lui demander Bob, t'as déjà vu ça? Oui, est-ce que ça me parle? J'ai le droit de faire un jet pour avoir plus d'infos? Tu dis ça sur un ton aussi stoïque, t'as déjà vu ça? Alors que t'as une espèce d'ombre menaçante. Parce que je sais que. Ne le prenez pas pour un magicien. Depuis le début. Oh mon dieu, tu as déjà vu ça? Mais c'est vrai que depuis le début de l'aventure, je m'occupe de tous les cas particuliers de Théo, quoi. Que ce soit les blessures par empoisonnement, les trucs, les oins, les ossures. Donc là, mon cher Bob, s'il te plaît, fais-moi un test de érudition.
avec un malus de 20. Alors attends, 75, érudition, c'est quoi? Malus de 20, ça passe pas. 89, j'ai fait. Ça passe pas. Alors là, ma réponse à Grunleck, c'est... Alors là... Alors là, c'est nouveau, ça. Là, non, pour le coup, Théo non. Qui reste debout, quand ça même. Ça ressemble... Je vais être sincère. C'est mon classe. Je vais être sincère. Ça, basiquement, ça ressemble à un stand à la Jojo. Ouais, je vais être sincère, ça ressemble même pas à ma condition et à la condition de Chine, qui sont différentes, mais avant la même base et le même principe. Ça y ressemble même pas, en fait. Qu'est-ce qui t'est arrivé dans ce puits? Est-ce que tu peux nous raconter? C'est ce que je vous avais... Moi, je ne sais pas, j'y suis resté beaucoup plus longtemps que vous. C'est-à-dire que pour vous, il s'est passé 2 mois, je crois. Pour moi, il s'est passé des années. J'y suis resté très longtemps dans ce puits. Je ne pouvais pas bouger. Et un jour, j'ai vu une lumière. Et la lumière, bah, c'était le parchemin que Bragg avait pris dans la grotte, qui m'a servi de phare, en fait, et qui m'a permis de ressortir. Oui, mais t'es ressorti avec quoi? C'est ça, la question, en fait. Quand je suis ressorti, je me suis réveillé ensuite, au bout de plusieurs jours, donc... Et tu t'es senti toi-même quand tu t'es réveillé? Je me sens fatigué, tout ce que je peux te dire. Est-ce que t'étais conscient pendant tout ce temps où t'étais dans le puits? Est-ce que tu voyais le temps passer? C'est difficile, parce que j'ai l'impression qu'il s'est passé des années, en fait, donc... Je peux pas vraiment expliquer. Au niveau de la santé mentale, c'est chaud. Hein, rester enfermé des années dans un puits. T'as pas eu de problème vis-à-vis de la lumière? Fais briller ton armure pour voir. Je le fais. Ah, il y a une lumière légèrement blafarde. Cependant, la lumière est très fonctionnelle. Il y a pas de problème. Victor... Je regarde. Pardon. Normalement, la lumière est fonctionnelle, mais si je me souviens bien, la lumière est fonctionnelle, mais elle brille. Avant, elle brillait blanc. Vraiment blanc comme une vraie lumière. Là, elle a tendance à briller un peu de couleur pâle. Pâle. Elle est froide, en fait. C'est une lumière froide. Ouais. C'est ça, c'est pas une lumière divine, c'est une lumière froide. Victor, je. Victor, oui, je voulais demander aussi. Voilà. Ouais. Outre l'hérésie, une idée sur le sujet. Est-ce qu'il peut l'examiner? Non, faire un truc, un test de midi-chlorien. Il s'approche pas. Si jamais il fait le moins de mouvement pour s'approcher de Théo, je lui fous le feu. Il est à côté d'un brasier pareil, il s'en sortira pas le fumier. Mais pour le coup, j'ai quand même. Non, mais on l'aime bien aussi, Victor, tu vas pas lui foutre le feu. S'il attaque Théo, je l'aime bien, Victor, mais faut pas déconner. Disons que je veux bien l'exécuter un peu. Pas trop, mais un peu, quand même, parce que c'est... Non, mais voilà. Croyez-moi que ça me fait pas plaisir d'avoir ça. Maintenant, ça fait plusieurs mois, j'ai appris à le contrôler, ce machin, même sans savoir trop d'où ça vient. J'ai juste remarqué que quand je me sers de ça, ben, les gens ont tendance à être un peu impressionnés, du coup je m'en sers... Je pense, fiston, que c'est la lumière qui te met à l'épreuve, et que tu t'es toi-même écarté du chemin de la lumière. Tu vas me faire 3 « Je vous salue, Marie ». Ok, c'est des conneries. Bragg et... Attends, juste une petite... Pardon, je t'en prie. Pour finir sur ce sujet, je voudrais regarder avec insistance l'ombre. Est-ce qu'en regardant l'ombre, il y a une forme vraiment qui se dessine? Est-ce que c'est humanoïde? Est-ce qu'il y a des cornes? Est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, en effet, je l'avais décrit vaguement pour ceux qui l'avaient remarqué sous l'eau, pendant que vous étiez en train de fuir le sanctuaire. Il y a une sorte de superposition de créatures humanoïdes avec des sortes de chaînes ou de cordes. Tentacules, ouais, Oui, tu avais parlé de tentacules, mais ça avait été en off. Plus avait des chaînes que des tentacules. C'est ça. D'accord. Qui fantomatiques. Et comme c'était sous l'eau, enfin, j'avais peur que ce soit déformé. Voilà, là, on a vraiment le temps de bien regarder. Est-ce qu'on arrive à avoir une image plus claire ou c'est toujours très flou? Certains flou, d'entre très... vous... pourrait soupçonner un rapport avec une personne que vous avez connue, un antagoniste particulier. Mm-hmm. Quoi, l'homme du puits? Mais c'était un... Le petit chat du live? Non, son frère. Je viens de comprendre. Oui, Fried. Non. Mon Dieu. Pas son frère, l'enfoiré qui voulait bloquer la mana et ses chaînes. Comment s'appelait-il? Vlad. Merci. Donc oui, ça c'est un problème. Vlad, qu'est-il arrivé à Vlad? Est-ce que tu te souviens de ce que t'as fait avant de mourir, basiquement? Au moment où j'ai compris que la grotte allait s'effondrer et que j'aurais pas le temps de sortir, j'ai foncé sur Vlad et je l'ai emmené dans le puits avec moi. Ah oui, c'était une information importante. Ouais, ah oui, c'est un petit détail, tu vois, ouais. T'as échappé. Bon. Et vous avez joué à la belote pendant des années dans le puits, tous les deux. J'ai vu aucune trace de lui. Est-ce que... Je vais crier Vlad très fort juste pour voir si l'ombre elle réagit, elle bouge légèrement.
Vlad. Écoute, quand tu cries. Hey, hey. Quand tu cries Vlad, il. Retirez tous vos casques, s'il vous plaît. Sauf qui ? Parce que sinon. Tout le monde sauf Grand Lake. Il se passe rien. Ok ? Très bien. Eh bien, vous pouvez tous remettre les casques. Allez, c'est bon ? C'était voilà. Court. Du coup ? C'est bon. Du il coup, fronce les sourcils, Grand Lake. Voilà. L'air contemplatif. Ouais. C'est pas un gros succès. Et tous les trois, vous. J'ai juste deux dernières questions. La première, excuse-moi, je prends. La première, c'est tes souvenirs. Ton enfance, tout ça, l'adolescence, formation, entraînement. Tu te souviens de tout ou il y a des trucs la en puberté. Plus Ah oui, non, je me souviens de tout, il n'y a aucun problème. Et rien. Tu te sens toi, tu serait... te sens Théo de Sienne Vermeer. Rien qui serait à quelqu'un qui s'appelle Vlad. Une enfance en trop, des souvenirs en trop, quelque chose. Ah, très bonne question. Parce que tu peux avoir deux souvenirs. Justement, en fait. Théo ne semble pas se ressentir un surplus. Il se sent tout ce qu'il y a de plus complet, j'ai envie de dire. C'est ça. Est-ce que tu as essayé Je me sens juste un peu fatigué, c'est tout. Est-ce que tu as essayé de contrôler cette chose? Bah oui. Bah oui, mais laisser t'envahir. Je peux. En fait, ce qui se passe, c'est plus. C'est, je la contrôle pas vraiment. C'est plus que. Cette chose n'a pas vraiment envie que je meure en fait. C'est-à-dire, c'est ce qui s'est passé dans la rivière. Je savais même pas que je pouvais faire ça, mais elle a réussi à attraper une branche pour nous sortir non, de là. Non, et puis en fait. Tout simplement, d'accord, tu pourrais même limite assimiler ça à ton instinct de survie, Théo, tout simplement. Hein. Mais pour sauver Bragg tout à l'heure. Tu l'as utilisé sciemment, tu l'as contrôlé. Ça oui, je l'ai utilisé. Tout comme tu viens de t'en servir pour nous le montrer. En disant ça d'ailleurs, Bragg, il redouble un peu d'effort pour reprendre sa respiration. Chaque moment qui passe semble faire revenir son état de santé initial. Alors, juste une dernière question à ce cas-là, à Bragg. Parce que c'est lui qui a pu avoir entre les mains ces fameux parchemins de pouvoir et a pu voir un petit peu comment on aurait pu s'en servir ou ce qui aurait pu se passer. C'est peut-être lui qui a une meilleure théorie sur le sujet qu'on est en train d'en établir. Votre avis sur la question, du coup ? Je pense que la Guilde des Intendants veut faire main basse sur des pouvoirs ancestraux. Oui, c'est un PNJ, il répète plus que la même chose. Je pense que vous voudriez aller avec la Guilde des Intendants. C'est ça, c'est très gentil, mais je parlais de la nous condition. Nous perdons du temps, cher Jean. Je parlais de la condition de Théo. J'en ai rien à péter. En train de répondre, bordel de merde. Bonjour, comment ça va? Nous perdons du temps, aventurier. Bienvenue à Mirage. Je pense qu'ils veulent faire main basse sur des pouvoirs élémentaires afin d'invalider l'assise donc des églises et de même développer leur propre pouvoir, leur propre alternative aux églises. Et dans ce sens-là, je pense qu'ils veulent extirper des élémentaires qui n'existent que dans l'éther et qui ont disparu en fait de notre monde. Ils veulent faire revenir des créatures et les contrôler surtout. Quel but et... Ah, de les contrôler. Oui, et surtout, pour s'en servir comme arme et comme moyen de pression, bien sûr. Victor, une dernière question. Je sais que l'Église de la Lumière a une technique d'exorcisme qui consiste à frapper quelque chose dans la bouche jusqu'à ce qu'il meure, et ça marche plutôt bien, mais d'autres méthodes, peut-être, éventuellement ? Parce que là, vous voyez clairement que c'est pas la faute de Théo, c'est clairement un cas de possession. Oui, mais vous savez, il faut purifier l'impur, et... Non, tout par le feu. Le feu. On est d'accord, regarde-moi. Mais là, exceptionnellement. Je suis pas tellement mignon. C'est ça. Très clombre derrière. Non, du... je déconne, il est trop mignon. The end, hey. Non, il a l'air toujours aussi sceptique, Victor. Cela dit, Victor embraye là-dessus, en disant, de toute façon, il va falloir que j'aille rendre des comptes à l'Église de la Lumière, et je lui ferai le rapport sur le retour de Théo. Ceci, nous pourrons pas le cacher. Oui. Théo, tu es d'accord avec moi ? Hein ? Tu es d'accord avec moi ? Oui, tu es d'accord avec moi. Ok. Bon, voilà. C'est ton supérieur direct. Ouais. Attendez, qu'est-ce que vous allez rapporter à l'Église de la Lumière ? Enfin, je veux dire, Théo sera toujours dans les bonnes grâces. Il n'y a pas de... Ça va changer à ce niveau-là. Ça ne repose plus sur moi. Ça va dépendre de vous, ce que vous allez faire, de ce que Théo, tu vas faire. Qu'est-ce que tu comptes faire, Théo ? Bah, aller récupérer le
Kroll, c'est ça la bonne réponse. Sauver le monde, rapporter du pain, me coucher à l'heure, manger 5 fruits et légumes par jour. Fermer de voix. Oui. Ça. Si je vais récupérer le parchemin, je suis plus puni. Non, mais peut-être. On verra. D'abord, mange ton goûter. Peut-être qu'avec, peut-être qu'avec le codex, on peut trouver un moyen de te désenvoûter. Soyons d'accord, je serais ravi de me débarrasser de ça. Bon, voilà, très d'accord. Très déjà, bien. Ça, c'est un bon point. Et peut-être qu'avec les parchemins, on pourrait justement, c'est ça le. Bragg ajoute là-dessus. Que vous pourriez trouver peut-être des éléments supplémentaires dans ces laboratoires à la vieille tour. De leur côté, Victor et Arcana se regardent et après quelques messes basses, vous dit qu'ils iront voir le conclave des églises et essayer d'organiser une réunion extraordinaire. Si vous voulez vous joindre à eux, vous êtes les bienvenus, vous êtes les mieux placés pour présenter la situation concernant les codex avec Bragg. Autrement, autre solution dont Bragg peut facilement rebondir dessus. Il connaît l'existence d'autres sanctuaires si vous voulez vous reposer le temps qu'il faut pour récupérer vos forces avant d'aller voir les codex ou alors avant d'aller soit à la vieille tour, soit au conclave des églises. Dans tous les cas, le choix vous appartient soit de l'ordre des actions à mener, soit simplement de l'action à choisir. C'est à vous de me dire. Je vote personnellement pour qu'on se repose. Ça me semble indispensable avant toute action préalable. Clairement. J'ai une autre suggestion, c'est peut-être de si la guilde des intendants est dans une ville, il doit y avoir des auberges à côté. On pourrait peut-être louer une chambre. Juste à côté de la guilde des intendants. Ils vous attendent probablement là-bas. T'es malade. Attends, ils nous ont pris pour cible. Ils ont notre signalement et on n'est pas, disons, complètement inaperçu. On va se faire massacrer si on habite à côté. On se déguise. On se met une moustache comme ça. Comme les tortues ninja, des imperméables, des chapeaux. C'est ça, comme des imperméables, des chapeaux. On ne reconnaîtra jamais. Plusieurs solutions s'offrent à vous, messieurs. On va gérer ça presque de manière elliptique. Vous allez me dire ce que vous préférez. Donc, soit vous reposez à l'écart de la civilisation ici, au milieu de nulle part, soit essayez de vous retrouver dans un des sanctuaires du royaume, à quelques lieux de là, soit d'aller au conclave des églises pour leur faire part de votre point de vue et d'essayer de mettre en place un plan de bataille, soit d'aller à la vieille tour pour fouiller dans les laboratoires de Bragg. Soit faire les trois, soit faire que l'un d'entre eux. Dites-moi, c'est le choix vous appartient. Je veux pas les églises, on a un mauvais souvenir avec ça. J'ai deux suggestions, si je puis, si ça vous dérange pas. La première, c'est que déjà, le conclave des églises, c'est bien beau, mais à part Théo qui en fait partie, mais qui a ça d'être excommunié le temps qu'il reçoive la missive, avec Victor qui pourra porter son poids, mais ce n'est qu'un paladin. Il y a l'église des murmures qui ne porte plus dans leur cœur. Il y a l'église des murmures et toutes les autres attendez, églises. Victor, je vous rappelle qu'il m'aime pas à la base, il voulait pas que je devienne paladin. Je sais, mais dans tous les cas, quoi qu'il advienne, on n'aura aucun point, on pourra simplement le voir se dérouler, et quand il dit qu'on a des informations sur le sujet, la seule personne à qui il est important qu'il soit présent, c'est Bragg et Arcana. Mais il va donc mourir. Vous voyez, Cependant, il faut qu'on aille à la vieille tour, parce que la dernière fois qu'on a trouvé dans ce laboratoire des choses comme les cristaux de pouvoir ou autres, qui pourraient nous donner un avantage. Et enfin, dernière chose pour le repos, je suis contre l'idée qu'on passe 2 semaines dans un abri, et j'aimerais qu'on utilise nos capacités, notamment Théo et Victor, de manière active, pour pouvoir être tous sur le pied de guerre le plus tôt possible. Victor s'en va, là. Tant pis, bah toi alors, dans ce cas-là, ça prendra 1 semaine. Victor, lui, il va devoir partir... lui au conclave des églises pour faire un rapport détaillé sur la situation pour la simple et bonne raison que ce sont les églises qui sont en péril à cause de la guilde des intendants et qu'il ne peut pas sciemment passer à côté de cette information sans. Et puis accessoirement, le conclave des églises, ça veut dire déjà que moi, je suis un paladin qui est à moitié envoûté, et surtout on va croiser les mecs de l'église des murmures et on a chié devant et on a mis le feu à leur maison. Ils n'ont pas de preuves. Mmh. Il y a quand même une guerre limite qui se profile entre les églises et la guilde des intendants. On est d'accord. Et Arcana, je veux pas prendre parti pour aucun des deux. Attends, objection. Il faut absolument qu'on transporte quand même à Victor, qu'ils amènent avec nous, enfin, qu'ils
qu'il amène avec lui nos meilleurs vœux pour le côté des églises ou quoi qu'il advienne. Parce que si jamais on se retrouve entre les deux feux d'une bataille, je veux qu'il y ait au moins un camp qui me voie comme un allié. Ouais. Oui, qui ne nous voit pas comme des ennemis en tout cas. Merci. Qu'il embarque les deux femmes avec lui aussi, parce que... Oui, mais avec l'église des murmures, c'est compliqué quand même, là. Mmh. Oui, mais c'est une minorité, il faut pas... Donc, la vieille tour, donc. Mirage, c'est là. Alors, pour répondre à ta question, Théo, parce que à tes questions, je n'ai pas répondu. Il y a... il se trouve que Bragg te répond, donc, au niveau de la structure de Mirage. Mirage est plus proche d'un bourg que d'une cité. C'est assez étendu et au noyau, le noyau est au niveau du port, parce qu'il y a un port hein, jouxtant par là, hop, ici. Il y a d'accord, donc un... il y a... Comment ? Ok, donc ça veut dire que c'est à côté de la mer, quoi, même si on ne voit pas. La mer noire. Hop. Ah oui, d'accord. Voilà. La map qui se met à jour. Il y a donc un port... ici et la plus importante, demeure de Mirage, c'est là où se réunissent la guilde des intendants. C'est une sorte d'immense manoir où se réunissent les intendants. On est d'accord que c'est le seul. On est d'accord que c'est le seul bâtiment notable de cette petite bourgade. Ah, ça se détache du paysage comme un nuage gris au milieu du ciel bleu, quoi. D'accord, donc c'est juste l'endroit le plus protégé de toute la région. La ville est trop petite pour passer discrètement dedans, je suppose ça veut dire. On ne peut pas rentrer dedans sans être repéré. Vous risquez d'être repéré, en effet. Donc, à moins d'y aller, genre, la nuit, en mission d'infiltration, déguisé en armure. Avec un plan qui se déroulerait sans aucun pépin. Merveille, voilà, merveille. Mais déjà, c'est très simple, ça réduit le champ d'action. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'infiltrer. Donc c'est la force ou l'infiltration ? L'infiltration ne marche pas, donc c'est la force. On n'a pas le niveau. On peut s'infiltrer. L'infiltration, vous pouvez essayer, mais c'est risqué. Vous pouvez, hein. Vous pouvez. Sachant que la vieille tour, c'est très proposé. Loin. De toute façon, il va falloir ouais. prendre quelques moments pour vous récupérer vos. On peut s'infiltrer. On peut s'infiltrer, mais j'ai un plan éventuel. Le plan, c'est qu'on retourne à la vieille tour et qu'on récupère le plus de matériel possible dangereux ou d'armement, parce qu'on a plutôt une bonne cote là-bas avec les magasins. On peut aussi demander au remplaçant de l'intendant, dont tu te souviens, tu lui avais frappé dans la bouche plusieurs fois jusqu'à ce qu'il coopère. Donc on peut recommencer cette stratégie. Et s'équiper à mort de manière à pouvoir infiltrer Mirage. Ensuite, à un moment ou un autre. C'est vachement loin. Le temps qu'on fasse. Des mois, justement. On est parti en bon terme avec l'Irène. Justement, le temps qu'on fasse l'aller-retour, il y aura sans doute un siège ou du moins une guerre autour de Mirage, faite probablement par le conclave des églises autour de cet endroit qui aura déployé, je sais pas, un moyen de se défendre ou parce que de toute façon ils sont en position de marche parchemin. Et là, c'est là qu'on arrive pour nous s'infiltrer au milieu du chaos et de la bataille et pour pouvoir décapiter la tête de l'Hydre. Le principe du siège, c'est que ça empêche les gens de sortir, mais ça empêche aussi les gens de rentrer. Mais oui, mais pas par le port, et pas si on dispose d'explosifs suffisamment puissants et compacts pour que quand personne n'ait temps par de l'explosif, pas forcément, mais en tout cas... Les cristaux, ils font quoi la dernière fois qu'on les a balancés dans la poire? Je m'en souviens, moi. Je suis d'accord, mais si on prend un pain gros comme ça... Des explosifs pour s'infiltrer, généralement, c'est pas terrible. Niveau discrétion, c'est moyen. Pour une diversion, si tu en prends deux et que t'en fais péter un et deux, tu leur mets deux points d'entrée différents et tu les mets en panique, surtout lors d'un siège. C'est quelque chose qui ne risque de ne pas remarquer. Parce qu'un siège, rappelle, c'est constamment des trucs qui pètent autour de toi. Dans tous les cas, ce que dit Bob là-dessus, je le rejoins, c'est pas déconnant. Le fait de profiter à deux niveaux du voyage, d'une part pour récupérer PV full, d'autre part pour profiter de la réunion et de la recrudescence donc des églises, l'émulation qu'ils ont autour d'eux, la volonté de pouvoir s'opposer donc à la guilde des intendants, pour venir et profiter en fait de l'amalgame pour passer au milieu en fait. Mais c'est pour ça que j'ai quand même besoin très important que Victor, sur son honneur, déclare auprès des églises que le groupe d'aventuriers qui ont réussi à faire cesser la crise de la caverne des merveilles, parce qu'ils sont au courant les églises j'imagine, Victor a dû être mis au courant depuis le temps, ils ont dû être mis au courant. Il faut savoir que ce groupe d'aventuriers est dans leur camp et que si jamais ils sont croisés, ils sont à ne pas, pour l'instant, être mis sur le bûcher immédiatement. Après, bien sûr, ils le bûcheront, il n'y a pas de souci. D'accord, donc ça c'est ok. Vous laissez le conclave des églises donc gérer entre eux, très bien, parfait. Qu'est-ce que t'en penses, Chine, du coup ? J'ai pas entendu sur le plan. Moi, je voudrais faire un training montage dans un sanctuaire. voilà.
Le training montage, on peut le faire sur la route, mon grand. Hein. Écoutez, on peut se faire des sparring, on peut s'entraîner à donf ou autre. Hein. Y a pas de... Et quoi qu'il arrive, il faut absolument qu'on trouve dans les matériaux de recherche de Bragg, qui a l'air de beaucoup trop s'intéresser à l'autre monde et aux demi-élémentaires pour sa propre santé. Hein. La preuve, c'est qu'il est en train d'en mourir. Bref, ce serait intéressant de trouver peut-être des artefacts, des objets. Mais encore une fois, c'est extrêmement loin, tu te rends pas compte. On en a pour 2 mois y aller, 2 mois pour venir. Quoi. Deux mois. Je veux dire, là, il nous a fallu 15 jours pour faire ça. Donc ça fait... Objection. Franchement, ça fait 15 mois. Jours, 15 jours pour faire ça parce qu'il n'y a pas de route et parce qu'on est en plein milieu de la forêt, de la savane et de n'importe quoi. Et c'est de n'importe quoi. Par contre, la vieille tour et cette route, je rappelle que ce trajet-là, on l'avait fait en 2 semaines, à peine. Ouais. Donc mes excuses, mais si jamais on regarde, si jamais on bourre vers la droite, parce que là j'imagine qu'il y a de la carte et il y a une route, une rivière, quelque chose, et qu'on remonte par là, on pourra faire ça en 2 fois moins de temps qu'on a mis pour en venir. Et en 2 semaines, on peut, en 3 semaines, 2-3 semaines, on peut y être. Alors aller-retour, ça laisse 1 mois et demi, mais 1 mois et demi, très honnêtement, c'est à peine le temps qu'il faut pour faire un conclave, mettre tous les royaumes/églises du pays d'accord, et surtout les concentrer, eux et leur armée, autour du mirage. Normalement, le temps qu'on fasse l'aller-retour, il y aura à peine les premières catapultes qui vont se pointer. Le problème, c'est que du coup, on se prive d'alliés potentiels si on va pas au conclave. On aurait pu C'est pour ça que je demande trop à Victor de nous y porter en bon cœur, parce que si jamais on y arrive et qu'ils ne veulent pas de nous en tant qu'alliés, je ne sais pas, mais toi, tu risques de goûter à la chaleur du bûcher, toi aussi. Par donc, contre, Bob, tu parles aussi, du temps... Tu parles du temps que ça va prendre à ce que le siège s'installe. Mais à aucun moment on pense au temps que ça va prendre à la guilde des intendants à déchiffrer le codex et à les utiliser. Ça se trouve, dans 3 jours, ils ont déchiffré le codex et ça devient une superpuissance de malade. Mais ça, malheureusement, c'est un risque qu'on doit prendre, parce que si dans 3 jours ils le déchiffrent ou demain, on n'aura pas eu le temps de récupérer et on a déjà perdu. Donc quoi qu'il advienne, on est déjà dans une position un mois très et demi, c'est vrai que c'est long quand même, mais bon. C'est un pari, c'est juste... On jette les dés. À mon avis, ils vont entrer si je peux me permettre, ils vont entrer. Mais imagine, très probablement... il n'y a pas de siège en fait. Ils commencent à invoquer des créatures de partout. Ils commencent à rouler sur les terres environnantes. Il y en aura un, parce que ce qu'ils veulent, c'est pas détruire et exterminer tout le monde dans le pays. Ce qu'ils veulent, c'est le contrôle. Donc ils vont ériger sans doute une forme de défense absolument imprenable, justement pour montrer à ceux qui les assiègent qu'ils sont invincibles. Et lorsqu'ils lanceront une contre-offensive, je suis d'accord, ce sera un massacre. Mais ils vont d'abord faire durer un peu le temps, histoire de se faire mousser, et de montrer à quel point ils sont puissants et intouchables. Ne serait-ce qu'aussi pour montrer au monde entier qu'ils ont tenu un siège de 2 mois sans perdre un seul homme, face à toutes les églises du monde entier, et après laisser le mot courir que « Ha ! Vous avez vu ? Mon armure est tellement puissante !» Et après j'ai fait un revers de la main, ils sont tous morts. Là, les mecs, ils ont le monde sur un plateau d'argent. Donc, messieurs, vous décidez... Vous validez ou vous invalidez ce choix-là. Vous décidez donc de ne pas aller au conclave des églises, mais plutôt d'aller fouiller donc le laboratoire de... Attends, ça c'est mon plan, ils ont pas dit qu'ils étaient d'accord. Hein. Bah justement, c'est ma question. Qu'est-ce qu'il y a à trouver à la vieille tour, franchement ? T'espères trouver quoi, Bob ? La dernière fois qu'on y est allé, on a trouvé un fou qui avait fait des recherches suffisamment pour couper la magie du monde. Alors, je pense qu'on peut peut-être creuser un peu plus dans les détails et peut-être même commencer à chercher sérieusement des artefacts ou même des cristaux de pouvoir. Pour le coup, tout ce qui peut rester là-bas et toute connaissance sur notre condition de demi-élémentaire ou sur leur puissance en général... pourrait peut-être nous aider à atteindre un niveau supérieur, une compréhension, une astuce, un point faible peut-être. Mais là, pour le coup, j'ai pas d'idée sinon. Messieurs, vous décidez ? Je trouve que c'est un pari. On part pour 1 mois et demi d'aller-retour sans savoir si on va trouver quelque chose. Donc, peut-être, ouais. C'est mais chaud. Une chose est certaine, c'est qu'on n'est pas du tout prêt. Et on n'aura aucun point au conclave, donc c'est deux choses qui sont parfaitement inutiles. Mais là, il y a un peut-être, et de l'autre côté, il n'y a rien du tout. Ou alors, on plaque tout et on ouvre une auberge. Et on fait une réduction pour la guilde des intendants. Ah voilà. Et là, on est golden. Sur ces paroles, messieurs, donc à moins que vous me contredisiez, vous emboîtez le pas en direction de la vieille tour. Vous avez 3 petites semaines de voyage en direction d'un point d'origine finalement. Vous dites au revoir à Arcana, Bragg et Victor. Victor qui finit, après quelques hésitations, à te saisir par l'avant-bras, Théo, et pose la main gauche sur ton épaule, te dit « Fils,
je te tuerai. Moi-même. Aïe, Hydra. Moi aussi. Il te dit quelques mots plus sympathiques que ça. Et vous avez les séparations. Ils s'en vont vers le conclave des églises. Et vous vous dirigez vers la vieille tour en faisant le pari sur l'avenir selon lequel la guilde des intendants ne commettra pas l'indicible.